and lift off, the final lift off of Atlantis. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle série de conférences confinées, donc la huitième du nom, mais la première de la deuxième saison, parce que y a un nouveau confinement, voilà. Donc ravi de vous retrouver. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est assez simple, tous les mercredis après-midi à 15h, je parle avec vous d'astrophysique, surtout, mais éventuellement d'autres choses liées à l'université, à l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, pour ceux qui étaient là la saison précédente, vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu deux séances en vrai direct, mais la troisième, ma box a, n'a pas coopéré, et donc le live s'est coupé au milieu. Donc depuis, j'enregistre dans les conditions du live, et un petit peu en avance, le matin ou la veille, et donc je diffuse en léger différé, de fait. Donc c'est pas du vrai direct. En revanche, ce qui est du vrai direct, c'est le fait que je suis présent sur le chat de YouTube, donc je peux intervenir plus facilement, parce que comme ça j'ai que à vous répondre et pas à parler et à cliquer sur les boutons, parce que je rappelle que donc je suis un amateur, je ne suis pas un YouTuber, je suis astrophysicien qui découvre un peu tout ça. Alors ça m'amuse beaucoup, mais bon, je suis pas pro. Donc voilà, donc on va commencer aujourd'hui pour parler d'astrophysique de nouveau. Pour finir encore par rapport à la saison précédente, vous rappelez peut-être qu'il y avait des sondages, alors là en direct, hein, que je lançais, vous pouviez interagir, etc. Comme aujourd'hui le temps de préparation a été limité, j'aurais pas cette notion de sondage et cette option. J'espère bien la mettre en place la semaine prochaine avec vous. Voilà, puis vous pouvez laisser des commentaires et des suggestions aussi pour les thèmes de la semaine prochaine. Je peux aborder de nombreux thèmes. Ce qui va limiter, c'est le temps de préparation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les grandes universités, enfin les petites aussi, voilà, sont en mode essentiellement distanciel, et cela impose des changements et du temps à prendre. Et bien, donc, bon courage à tous, et voilà, on va s'évader un petit peu. Alors aujourd'hui, le programme, si j'arrive à retrouver mes fenêtres, c'est le suivant, on va commencer léger, avec les observations. Donc, c'est une invitation à observer le ciel ensemble. Pour cela, dans la deuxième partie, je vous parlerai du logiciel Stellarium, qui est très connu, qui est libre, qui est multiplateforme, Linux, Mac, PC, et je crois même certains téléphones mobiles, smartphones. Et vous allez voir, c'est super pour préparer des observations. Alors c'est bien d'aller le soir quand il fait beau directement sans avoir rien préparé, mais enfin c'est mieux en ayant un peu préparé. Surtout quand on a les pieds froids et qu'il fait froid. On optimise son temps. Troisième partie, on parlera de distance des étoiles. Alors, j'en ai parlé un petit peu la saison précédente. Là, je vais vous montrer comment on les obtient, et sur Internet, et ce qu'on peut en déduire. Quatrièmement, on va aller aussi pas à pas sur comment repérer la Station Spatiale Internationale, donc l'ISS, qui passe en ce moment, comme tout le temps, mais enfin qui passe et qui est visible le matin ou le soir. Et en dernière partie, disons originale, on va parler des filets d'étoiles. C'est comment faire avec des appareils photo des filets d'étoiles. Vous savez que la Terre tourne, et donc on peut avoir ces jolies images de filets. Je vais même vous proposer un petit script Python qui permet d'analyser vos images si vous avez envie. Sinon, il y a des logiciels qui font ça pour vous après la prise de vue. Et puis on finira comme d'habitude avec quelques conseils de lecture, et ensuite les questions-réponses sur le chat de YouTube. Alors, observons le ciel ensemble. Alors, ça va être simple, hein, c'est une invitation à aller observer le ciel. On croit souvent qu'il faut des gros télescopes, qu'il faut du gros matériel. Bon, oui, ça aide, mais enfin, ça aide encore mieux si on sait s'en servir.
En fait, il n'y a pas vraiment besoin de matériel pour observer le ciel. Il faut des yeux et se préparer un petit peu. Des yeux, bon, en général, on en a tous. Et puis, si on n'en a pas, il y a des programmes spécifiques qui existent. Pour observer le ciel, il suffit d'attendre la tombée de la nuit ou le matin tôt, parce que maintenant, l'avantage de cette période hivernale qui arrive, hein, même si on est astronomiquement en automne, c'est que la nuit prend de plus en plus de temps, hein, et donc on peut beaucoup mieux observer qu'à l'été dernier, où il fallait attendre vraiment des heures très tardives pour observer le ciel. Donc là, alors je sais plus, voilà, 18h jusqu'à 7h du matin à peu près, il fait nuit, donc on n'a pas besoin de veiller toute la nuit. Donc il suffit d'aller dehors, ou même depuis sa fenêtre, si on ne peut pas aller dehors. Il y a quelques petites précautions à prendre, enfin des précautions, des précautions. Nos yeux sont très très sensibles à la lumière, justement, ce qui fait leur force. Mais si on a une grosse lumière devant soi et puis qu'on va dehors ou qu'on va à la fenêtre et qu'on voit aucune étoile, c'est normal. Il faut que les yeux s'accommodent à l'obscurité et que la pupille se dilate. Il faut à peu près un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Donc si vous observez depuis une chambre, mettons, dans un appartement, dans une maison que vous regardez par la fenêtre, mettez-vous dans le noir d'abord, éteignez tout, y compris les écrans. Hein, parce que voilà, il y a des applis qui sont formidables, qui permettent de regarder les étoiles, mais sauf que l'écran est tellement brillant, ça vous empêche de voir le ciel, donc c'est un peu ballot. Donc, pas d'écran, pas de lumière. Laissez-vous, je sais pas, mettez-vous de la musique ou un podcast ou je sais pas quoi pendant 10 minutes. Et puis ensuite, quand vous regarderez dehors, là vous pourrez voir plein d'étoiles. Même si vous êtes en ville, hein. Alors, évidemment, il ne faut pas avoir de rayonnement trop direct, donc soit vous prenez votre main pour masquer les éclairages directs, voilà, soit vous regardez ailleurs, mais c'est tout à fait possible. Et là, vous pourrez voir de nombreuses étoiles et des planètes. On va y revenir dans un instant avec Stellarium. Mais déjà, vous pouvez vous accommoder et vous mettre dans cet état d'esprit de regarder le ciel, et puis de voir que chaque jour, il y a des petites variations chaque jour, donc si vous, avec la Lune d'abord, bien entendu, dont la phase change chaque jour. Mais également la position des étoiles. Si vous revenez la semaine d'après à la même heure, vous verrez que les étoiles ont été un tout petit peu décalées par rapport à la semaine d'avant, donc à la même heure, par rapport à un repère terrestre, hein, voilà, un immeuble, un arbre, une maison, que sais-je. Donc il y a plein de choses intéressantes à regarder, et puis pareil, les étoiles ont des couleurs différentes, voilà, donc voilà. À l'œil nu, il y a déjà plein de choses à faire. Alors après, avec des jumelles, évidemment, avec des télescopes, évidemment. Donc là, c'est pas en 2 minutes que je vais expliquer comment faire. Et puis, il y a plein de choses qui existent dans les magazines, dans les vidéos. Voilà, je conseille plusieurs magazines, hein, Ciel et Espace, voilà, l'astronomie. Je crois qu'il y en a d'autres. Mais vous pourrez trouver tous ces conseils. Il y a des livres aussi, de Guillaume Canat, notamment. Donc voilà, c'est vraiment accessible. Ça paraît technique, évidemment, dans certains livres ou dans certaines vidéos, il y a des aspects très techniques, de mouvement, etc. Donc oui, mais on n'est pas obligé de passer par le côté technique pour vraiment profiter du ciel. Si on veut aller plus loin, on peut utiliser le côté technique, évidemment. Alors, ce qui nous amène au deuxième point, qui est Stellarium. Stellarium est un logiciel épatant qui est gratuit, que vous pouvez télécharger et que j'ai lancé. Voilà, si ça marche bien. Alors, il faut que je trouve chez moi la fenêtre. Voilà. Donc, c'est un logiciel qui vous montre une scène du ciel. Donc, en cliquant sur la souris, vous pouvez déplacer. En cliquant de manière continue, vous pouvez vous déplacer. Donc, vous avez un paysage voilà, qui a été choisi et vous avez les points cardinaux. Là, vous avez le sud. Et donc, voilà, c'est à l'heure actuelle, hein, là le soleil est en train de se coucher, comme j'enregistre ça un petit peu avant. Donc le soleil s'est couché, là on est au sud-ouest, ouest, nord-ouest, et puis nord, etc. Et donc vous pouvez vous dire, ouais, mais alors si je veux planifier ma soirée, mais que je dois attendre le coucher du soleil, c'est pas pratique. Donc vous avez raison, donc il y a une petite ruse qui est sur les petits menus ici, vous allez à gauche, vous avez une fenêtre qui est date et heure. Alors ça doit exister en français, hein, mais moi je t'aime bien en anglais. Et donc vous pouvez avancer des heures, comme ça, vous reculez. Alors on n'a qu'à dire 18h35 en ce moment. Donc vraiment, aucune excuse pour ne pas regarder, c'est vraiment très très tôt. Et que voyons-nous? Tadam! Nous voyons Jupiter et Saturne plein sud.
Je vérifie que la fenêtre marche bien, oui. Plein sud. Et alors, le logiciel peut vous afficher tout un tas d'informations à gauche, hein, mais bon, ça, c'est pas nécessaire. Si vous aimez repérer les constellations et que vous vous oubliez à quoi ça ressemble, ce qui est tout à fait normal, vous pouvez cliquer en bas à gauche sur les formes et sur les noms. Voilà. Donc le Sagittaire, pile au sud, très très bas sur l'horizon, alors sauf dans le sud de la France, où évidemment... dans les Outre-mer, vers les tropiques, on le voit beaucoup mieux, mais en France métropolitaine et en particulier dans le Nord, on ne voit pas très bien, parce qu'il est trop bas. Mais voilà, vous voyez les Sagittaires, et puis tout en haut, donc là je monte vers le zénith, vous avez les trois belles d'été, avec Vega, Altair et Deneb. Alors si vous voulez savoir où on est dans le ciel, on peut rajouter la carte, non pas équatoriale, mais la carte azimutale. C'est juste l'angle entre l'horizon et le zénith. Donc le zénith, c'est vraiment la verticale. Donc vous voyez que Deneb est quasiment à la verticale au zénith. Donc ça vous permet de vous repérer, parce que parfois les gens ont un peu de mal à se retrouver avec ces histoires de cartes du ciel. Hein. Mais là, c'est vraiment très, très interactif. Donc Deneb, Altair et Vega, qui sont très très hautes. En revanche... Jupiter et Saturne sont plutôt basses, hein. Alors, voilà, elles sont à plus 15-20 degrés, hein, donc 15 degrés c'est à peu près quand vous mettez votre main à bout de bras, c'est l'angle qui est entre votre auriculaire et pouce, hein, donc c'est pas très très haut sur l'horizon, mais ça vaut absolument le coup de voir leur couleur. Alors, après, si vous avez des jumelles et un télescope, faut évidemment ne pas hésiter à y aller. Donc voilà, vers 18h30, hein, je sais plus quelle heure j'ai mis, vous avez tout ça. Alors vous pouvez aller vers le nord, si je ne me trompe pas, voilà, au nord-ouest, voilà. Donc nord, nous avons la grande ours qui est en bas, plutôt basse, et puis, donc la petite ours qui est très difficilement visible si on ne sait pas où elle est, avec la polaire qui est une étoile absolument très faible, voilà. Alors si vous connaissez, tant mieux, si vous ne connaissez pas, tant pis. Mais si vous remontez proche du pôle, enfin du zénith, pardon, vous avez Cassiopée, qui est le fameux W, donc voilà, qui est vers le nord-est. Voilà. Cassiopée, la petite ours avec la polaire, et puis la grande ours, qu'en général on connaît bien. Et puis si on retourne vers l'est, eh bien demain, on verra la Lune se lever. Enfin demain, je ne sais plus quelle date j'ai mis, ce soir. Donc le jour où on diffusera, c'est-à-dire le mercredi 4 novembre, la Lune se lèvera plus tard. Et puis à l'est, que voyons-nous? Nous voyons la planète Mars, rouge et très 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 brillante parce qu'elle est proche de l'opposition, donc c'est vraiment la bonne période pour l'observer pour toutes les prochaines années, donc c'est vraiment le moment pour la voir. Enfin le moment, on a un mois, hein, deux mois même pour la voir, mais plus on la regarde tôt, mieux c'est, parce qu'en fait elle s'éloigne un peu de nous à cause des mouvements respectifs des deux planètes. Donc voilà, avec ça, vous avez toutes les possibilités pour regarder les étoiles, les galaxies. Voilà, il y a même une galaxie d'Andromède qui devrait être par là. Je sais plus trop où elle est. Je l'ai pas. Vous pouvez les sélectionner en mettant nébuleuse ou je sais plus quoi. C'est quelque part, peut-être pas par là. Je sais plus. C'est ça. Tiens, qu'est-ce que je peux mettre ici? Voilà. Oups. Bref, bon, faudrait que je revoie comment on affiche les nébuleuses et les objets. Et ben voilà, ça doit être ça. Voilà, galaxie d'Andromède, voilà, qui est ici. Alors, qui est donc impossible à voir en ville, hein. Là, ne nous leurrons pas. Mais si vous voilà, faites de la photo, vous avez un télescope, ou vous êtes dans un très bon ciel, exemple de lumière anthropique, et ben vous pouvez essayer de la voir. Je peux insister sur le fait que, donc, en cette période notamment de confinement, vous pouvez solliciter les maires de vos villes pour solliciter une extinction totale de l'éclairage urbain, par exemple entre minuit et 5 heures du matin, ça gêne personne, et par contre ça permet de bien voir le ciel. Et donc en mettant les nébuleuses, on voit qu'à côté de Saturne et Jupiter, il y a plein de nébuleuses. Bah oui, parce qu'en fait la Voie lactée et le centre de la galaxie passe par là. Voilà, donc pareil, sans jumelles, on peut pas trop les voir, et sans télescope non plus, mais il faut vraiment un bon ciel, et là, vous avez plein de merveilles, plein de nébuleuses, c'est vraiment épatant. Donc Stellarium est votre ami, voilà. Comme je le signalais, il vaut mieux faire ça plusieurs heures ou minutes avant votre observation, parce qu'ensuite, il faut un peu vous isoler et être dans le noir pour que vos yeux s'habituent.
Donc voilà, c'était la séquence Stellarium que je vous proposais pour vraiment une initiation. C'est gratuit, il y a des planétariums qui l'utilisent, il y a plein d'associations d'astronomes amateurs qui l'utilisent. C'est vraiment un... Moi, je l'utilise pour préparer mes petites observations comme ça, pour le fun. Les vraies observations scientifiques, voilà, j'utilise autre chose, mais bon, ça, c'est pas gênant. Donc, voilà. Nous en étions à Stellarium. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour aller un petit peu plus loin. Alors maintenant que l'on sait ce qu'on va voir dans le ciel, notamment trois planètes... Ah si, j'ai peut-être oublié de vous montrer quelque chose. Là, on parlait du soir. Pardon. Oui, c'est les conditions du direct. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de montage, ou en tout cas pas beaucoup. Pour les leftos, il se trouve que parfois je suis aussi lefto. Lefto, hein, il suffit de se lever pas très très tôt. Hein. Donc on va se mettre, par exemple, le 4 novembre. Et on va se mettre à... 6h du matin. Alors 6h du matin, le jour commence à se lever. Enfin 6h40. Voilà, à 7h30, le soleil est levé, mais je sais pas, si vous levez tôt, on n'a qu'à dire, allez, 6h du matin. Bon, je clique, hein. Voilà. Non, 7h, je veux 6h, voilà. Donc, à 6h du matin, que pouvons-nous voir dans le ciel? Nous pouvons voir donc le ciel d'hiver qui commence à se coucher avec Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel. Et puis Orion, qui est magnifique. D'ailleurs, il y a une comète qui va arriver là-dedans bientôt. Il y aura la Lune, qui sera très haute, donc qui sera très visible. Et puis, donc des étoiles brillantes, hein, Capella. Et puis alors, en fait, j'ai pas testé avant, mais je pensais qu'il y avait une autre planète. On va voir si j'ai raison ou pas. Alors, donc c'est probablement pas au nord qu'on la verra, cette planète. S'il y a une planète, on la verra peut-être ici. Et ben voilà, bingo! Que voyons-nous? Nous voyons très brillante Vénus qui se lève à l'est, quasiment proche de l'est. Donc si vous vous couchez pas trop tard, enfin si vous allez observer vers 18h30 le soir, et si vous vous levez vers 6h et quelques du matin, vous regardez juste la fenêtre côté est, vous aurez trois planètes le soir et une planète le matin. Voilà, quatre planètes en quelques minutes. Donc le soir et le matin, c'est quand même très sympa. Donc je vous conseille, c'est super et c'est sympa de se dire que bah voilà, ce sont des planètes qui sont quand même très lointaines dans notre système solaire. Voilà, je crois que j'ai fini ce que je voulais vous dire sur Stellarium, qui permet vraiment de préparer des observations et anticiper ce qu'on va voir. Alors maintenant, on va passer aux distances des étoiles. Alors, les étoiles sont mesurées de différentes manières, avec différentes méthodes. Je n'ai pas trop envie d'aller dans ces détails-là aujourd'hui. Il y a des satellites, il y a des observations avec des parallaxes, etc. Mais ce qui est intéressant pour nous ici, c'est de voir que les informations sont disponibles sur le web. Alors, pour ça, vous pouvez aller sur la page que j'ai créée, qui s'appelle Conférence Confinée Astro, hein, sur ma page web. Et donc je mettrai en bas les liens. Et donc les liens, je vous le mets ici, c'est le lien Wikipédia qui s'appelle La liste des étoiles les plus brillantes. Voilà, c'est vraiment assez simple à retenir. Alors même si cette page est incomplète, elle est très 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 précieuse et elle est vraiment remplie d'informations très intéressantes. Alors il y a plusieurs colonnes, donc vous pouvez lire le texte, hein, mais ce qui est important c'est le tableau que vous voyez là. Donc à gauche, il y a un numéro, ensuite il y a le nom commun de chaque étoile, ensuite il y a le nom astronomique, hein, Alpha Canis Major, Alpha Carina, Alpha Boutes, Alpha Centauri, Alpha Lyrae, Beta Orionis, Alpha Canis Minor, etc. Alpha Eridani, etc. Donc il y a la nomenclature, bon peu importe. Il y a le type spectral de l'étoile, pareil, on ne va pas aujourd'hui en parler, mais c'est en gros, ça détermine à la fois la température et la composition de l'étoile. Donc, ce sont des observations qui font qu'on classe les étoiles dans différents types. Et la lettre traduit le type spectral principal, puis les chiffres et les lettres ensuite traduisent les types secondaires. La magnitude apparente, qui est une échelle bon, logarithmique, mais peu importe, alors quand c'est négatif, ça veut dire que c'est très brillant. Et puis quand c'est un chiffre positif grand, ça veut dire que c'est très faible. Voilà, c'est une échelle inverse log.
Donc par exemple, Sirius, qui a moins 1, sera très brillante et plus brillante que Canopus, qu'on ne peut pas voir dans l'hémisphère nord, qui a moins 0,72. Et toutes ces étoiles sont plus brillantes que celles qui sont positives. Voilà. Puis plus vous allez dans des chiffres faibles en bas, enfin grand, pardon, plus c'est moins, c'est plus faible. Voilà, moins c'est brillant. C'est la magnitude, bon, peu importe. Mais ce qui va nous intéresser, pour la discussion d'aujourd'hui en tout cas, c'est la distance en années-lumière. Alors vous voyez que Canopus, qu'on ne peut pas voir, est à 310 années-lumière, etc. Donc je vous propose de cliquer sur le petit triangle qui est classement croissant des étoiles en années-lumière. Alors on voit que l'étoile la plus proche, c'est Alpha du Centaure, qui est donc invisible dans l'hémisphère nord, parce qu'elle est très 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 basse dans le ciel austral, donc on ne peut pas la voir. Mais l'étoile la plus proche, facilement visible, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, mais bon, elles ne sont pas très visibles, c'est Sirius, qui, ça tombe bien, est l'étoile la plus brillante du ciel. Elle est à 8,6 années-lumière. Alors pourquoi j'insiste sur l'âge, c'est surtout pas l'âge de l'étoile, c'est sa distance en années-lumière. C'est parce que sa lumière met 8,6 années à nous parvenir. Autrement dit, si nous la regardons ce soir, à un instant T, on reçoit la lumière qui a été émise 8,6 ans avant. Ce qui est intéressant, si vous avez des gens chez vous qui ont 8 ans et demi, par exemple, et ben faites-leur regarder l'étoile Sirius, parce qu'en les regardant ces jours-ci, enfin bon, on n'est pas à 2 mois près, hein, mais en regardant Sirius ces jours-ci, ils reçoivent la lumière qui a été émise l'année de leur naissance. Hein, si vous avez 8 ans et demi, 8,5 ans, alors on peut arrondir à l'année. Hein. Mais voilà, si vous avez 8 ans et demi et que vous regardez Sirius, et ben comme la lumière a mis 8 ans et demi à nous parvenir, parce qu'elle est très loin, et puis que la vitesse de la lumière est finie, hein, c'est pas instantané, la propagation de la lumière, et ben vous regardez cette étoile telle qu'elle était l'année de votre naissance. Alors si vous êtes un peu plus âgé, je vous propose, si vous avez 11 ans, l'étoile Procyon, qui est très bien visible dans le ciel d'hiver. Pareil, regardez Stellarium pour trouver où elle est. Donc si vous avez 11 ans, regardez Procyon, et quand vous regardez Procyon, et que vous avez 11 ans, et ben vous regardez la lumière de l'étoile qui a été émise l'année de votre naissance. Si vous avez 16 ans, pareil, vous pouvez regarder Altaïr, on a vu tout à l'heure, hein, qui est une des trois étoiles du grand triangle de l'été, qui se couche, hein, parce qu'on n'est plus l'été, mais bon. Je passe les détails. Si vous avez 25 ans, vous pouvez regarder Vega, pareil, une étoile très très brillante, qui sert de référence d'ailleurs pour les astrophysiciens en termes de flux des étoiles, parce qu'elle a une magnitude quasiment de zéro. Voilà. Enfin, dans certains systèmes de référence, elle a une magnitude zéro. Donc Vega, 25 années-lumière. Donc si vous avez 25 ans, eh ben, regardez là, eh ben, vous observez la lumière qui a été émise l'année de votre naissance. Pareil pour Fomalo, mais qui est beaucoup plus faible. Et puis si vous avez 34 ans, vous avez Arcturus, Alpha Boutes, qui est rouge, qui est très très belle aussi. Donc Vega est bleu, hein. Arcturus est rouge, diante rouge. Donc 34 ans. Pareil, vous pouvez regarder Pollux. Si vous avez 36 ans, vous pouvez regarder Denebola dans le Lion, mais alors je crois que le Lion n'est pas très visible en ce moment. Sinon, évidemment, vous pouvez regarder Capella, qui est très brillante. Si vous avez 42 ans, voilà, bon âge, 42 ans, c'est pas mon âge, mais... Donc vous pouvez regarder Capella, et vous regardez la lumière qui a été émise l'année de votre naissance. Alors pareil, on peut aller peut-être des étoiles brillantes, hein. Castor, si vous avez 52 ans, vous pouvez regarder Castor dans le ciel d'hiver, voilà. Si vous avez 52 ans, la lumière que vous recevez a été émise l'année de votre naissance. Vous êtes un peu plus âgé, alors pareil, ça c'est pas visible chez nous. Aldébaran, ah oui, Aldébaran qui est très très belle dans le taureau, donc à côté des Pléiades et des Hyades. Hein. Donc si vous avez 65 ans, Aldébaran est votre étoile. Rouge, très très belle, très facilement visible. Voilà. Et puis après, pareil, on peut aller un peu plus loin. Après, ces étoiles, je ne les connais pas. Si, Régulus, dans le Lion, mais je ne pense pas que ça soit visible en ce moment. Si vous avez 77 ans, voilà, et ben l'année de votre naissance, vous recevez les photons et la lumière de Régulus. Voilà pourquoi je voulais vous parler des distances des étoiles, parce que ça fait un écho intéressant aux distances qui sont juste dans notre Voie lactée, dans notre galaxie, hein, qui est grande, hein, 100 000 années-lumière à peu près, mais enfin qui est tout petite à l'échelle de l'univers. J'en ai parlé dans la saison 1 et peut-être que j'en reparlerai dans la saison 2.
Donc voilà les distances. Donc allez dehors, hein, avec Stellarium. Mettez-vous évidemment 10 minutes dans le noir avant et puis essayez de repérer les étoiles. Et selon l'âge de la composition de votre famille ou de là où vous êtes, et ben, vous pourrez repérer ces étoiles et trouver en tout cas, au moins pour chaque décennie, sinon chaque âge, des étoiles à la bonne distance. Alors on poursuit avec voir la Station Spatiale Internationale. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est toujours une expérience intéressante de voir un point lumineux traverser le ciel en à peu près 5 minutes, enfin 5-10 minutes, et de se dire, bah, y a des astronautes là-dedans. Surtout que Thomas Pesquet ira dans l'ISS au mois d'avril 2021. Et donc, si vous avez l'habitude de repérer l'ISS, et ben vous pourrez repérer quand Thomas Pesquet sera dedans. Et certains chanceux pourront même dialoguer avec lui. C'est le cas, nous, avec l'association ARIS, le collège La Norville dans l'Essonne et l'université Paris-Saclay, puisque nous avons obtenu le droit de contacter Thomas Pesquet en direct. On vous tiendra au courant, on retransmettra ça sur YouTube, mais on aura un contact en direct quand l'ISS passera au-dessus d'Orsay et de Saclay dans quelques mois, ça sera en 2021. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de la voir passer. Alors, comment savoir où et quand elle passe? Eh bien oui, donc je vais vous mettre la bonne fenêtre, pareil, Internet est votre ami. Donc, c'est plus Wikipédia qu'on regarde là, mais c'est un site qui s'appelle heavensabove.com, donc heavens-above.com, je pense que vous voyez l'image. Vous mettez en haut à droite votre localité. Il y a une carte, hein, vous n'avez pas besoin de connaître vos coordonnées géographiques par cœur, vous mettez voilà, la carte. Et puis, d'ailleurs, je vais peut-être revenir sur la page voilà, principale. Quand vous arrivez, ça, vous arrivez sur cette page-là. Après avoir mis votre lieu. Et là, ça vous dit où est l'ISS en ce moment. Donc, elle est au-dessus voilà, du Mexique, apparemment. Donc, on ne la voit pas pour l'instant, mais ce n'est pas grave. Et donc, vous pouvez voir tout un tas de satellites à gauche. Alors, on pourrait y passer des heures. Mais je vous conseille de cliquer ici sur ISS, International Space Station. Donc, vous cliquez. Et vous avez automatiquement un tableau qui se cale sur la date de la journée. Donc, vous pouvez avoir les prévisions du 1er au 10 novembre. Et si ça ne vous suffit pas, vous cliquez sur la petite flèche ici pour aller aux dates plus lointaines. Alors, pour début novembre, alors nous serons le 4 novembre, vous voyez que donc il y a la magnitude, donc la brillance. Donc, plus c'est négatif, plus c'est brillant. Donc, moins 3, c'est très très bien, c'est très brillant. Moins 0,2, c'est pas super brillant. Et on a cliqué sur tous les passages visibles, hein, parce qu'il y a plein de passages qui sont invisibles, vous voyez, tout ça, mais bon, ça ne nous intéresse pas, donc on va remettre les passages visibles. Et donc le 4 novembre, indépendamment de ce qui se passe outre-Atlantique, etc., vous voyez, par exemple, il y a un passage qui est sympa, à 6h pile du matin, alors vous avez trois colonnes, start, oui, alors moi c'est en anglais, peut-être qu'on peut le mettre en français, je ne sais plus, donc start, c'est le début de l'arrivée de l'ISS, donc en général, c'est pas vraiment visible. L'heure principale, c'est the highest point, ça veut dire le point le plus haut, qui est donné en élévation et en azimut. Hein. En anglais, on dit altitude, azimuth. En français, on dirait élévation et azimut. Donc l'élévation, c'est juste l'angle entre l'horizon et le zénith. Donc 0 degré, c'est l'horizon, 90 degrés, c'est le zénith. Donc il faut un chiffre plutôt haut pour bien voir. Par exemple, alors j'étais au 4 novembre à 6h du matin, il est très bien, 60 degrés, 63 degrés, c'est très très bien, c'est-à-dire que c'est très très haut. Par contre, celui d'avant, le 4 novembre à 4h27, bon déjà, il faut être levé, bon, faut déjà en vouloir, il est très peu brillant parce qu'effectivement, 10 degrés au-dessus de l'horizon, c'est très très bas, donc ça sert à rien de se lever pour ça. Il est formellement visible, mais il n'est pas vraiment intéressant. Et puis, la dernière colonne, c'est quand l'ISS disparaît. Donc, par exemple, imaginons qu'on ait envie de se lever, alors pas le 4 novembre, puisque nous, on verra ça l'après-midi, mais mettons le 5 novembre, est-ce qu'il y a un passage sympa? Oui, moins 3,5, c'est pas mal, donc c'est très brillant. 6h47, bon, certains sont levés. Donc, vous voyez, 6h47, l'ISS se pointe à l'horizon, mais elle n'est pas encore vraiment visible. Par contre, là où elle est super visible, c'est 6h50. Donc, il faut arriver, en gros, à 6h48. Et puis, elle disparaît à 53. Mais alors, où la voir dans le ciel? Eh bien, c'est facile, vous cliquez à gauche, et là, magique, une carte apparaît, et vous voyez la carte du ciel.
Alors vous avez le nord en haut, le sud en bas. Vous pouvez repérer Vénus, qui est à l'est, qui se lève. Et bien l'ISS vous dit que ça vous donne l'heure et la trajectoire. Elle n'est pas belle la vie. Donc à 6h48, elle apparaît, mais bon, vous aurez du mal. En général, il faut attendre une ou deux minutes. Donc 6h50, là, bah, d'ailleurs, elle sera à côté de la Lune. Alors là, on ne peut pas la rater. Donc vous regardez la Lune vers 6h49 et vous la verrez passer tranquille. D'ailleurs, apparemment, elle passe juste derrière. Donc, enfin, devant, puisque la Lune est quand même plus loin que l'ISS. Donc ça peut, ça peut faire des images. Alors ça, c'est pour Paris. Hein. Donc après, ça changera selon votre lieu. Mais... Et ensuite, ça passe et puis elle disparaîtra à l'horizon derrière. Donc c'est très très simple, vous avez les horaires exacts, à la seconde près, à la minute près, et l'endroit où regarder dans le ciel. Repérez-vous de Vénus et de la Lune, c'est plus simple si vous n'avez pas l'habitude des points cardinaux, etc. Donc c'est très simple et très sympa à faire, et très sympa aussi à photographier, avec des poses longues. Il faut un trépied, ou en tout cas poser votre appareil, vous faites plusieurs poses longues, et puis ça fait une traînée ou des tirées. Donc voilà ce que je peux vous proposer comme petite manip. Le soir et le matin, regardez les étoiles et les planètes. Et puis à certains horaires, regardez l'ISS. Alors vous pouvez me dire, ouais, bon, il est gentil, se lever à 5h ou 6h du matin, c'est pas ma tasse de thé. Bien, no problème. Là, on va jusqu'au 10 novembre. Si on va aux dates ultérieures, regardez. Le 19 et le 20 novembre, il y a des passages. Alors ils sont un peu pourris, hein, 11 et 18 degrés, c'est très très bas. Mais bon, il y en a. Donc il faut attendre encore un petit peu. Voilà, dès le 21 novembre, 26, 20, ouais, si ça commence à être pas mal, là, vous voyez, 56 degrés, le 23 novembre à 18h54, ou mieux, le 25 novembre, alors moins 3,8, là c'est super brillant, le 25 novembre donc à 18h55, celle-là il sera beau. Hein. Et voilà, si on clique, on verra où ça passe. D'ailleurs, ça passe quasiment pile au zénith. Donc, il y aura Jupiter et Saturne qui sont là, la Lune sera là, mais bah voilà, vous allez vers le zénith, vous regardez vers l'ouest, hein, et puis hop, vous verrez, elle arrive, et ping, elle disparaît un moment. Pourquoi elle ne va pas jusqu'à l'horizon? Alors elle, l'ISS, va jusqu'à l'horizon, mais elle disparaît parce que y a l'ombre de la Terre, hein, on est quand même en début de nuit, donc le soleil est bas sur l'horizon. Donc il y a l'ombre de la Terre, et puis quand l'ISS passe dans l'ombre de la Terre, elle n'est plus éclairée, parce qu'évidemment l'ISS reflète la lumière du soleil, hein, elle n'est pas brillante par elle-même. Donc c'est pour ça que parfois, poum, ça s'interrompt comme ça au milieu, enfin au milieu ou sur la trajectoire. Et puis voilà, on sera toujours donc peut-être en confinement jusqu'à fin novembre, et donc peut-être un autre beau passage, voilà, 3,6, pareil, 18h08, là, celui-là il est pas mal, le 28 novembre. Voilà, c'est un peu la même configuration, mais là, en fait, l'ISS va quasiment jusqu'au bout en termes de brillance, hein, parce que voilà, l'ombre de la Terre est... Comme c'est un peu plus tôt, l'ombre de la Terre est plus basse. Voilà. Donc, amusez-vous bien avec heavensabove.com. Donc, c'est gratuit. Il faut mettre son endroit quand même pour avoir des horaires précis. Et puis, vous pouvez voir tous ces horaires de l'ISS. Alors après, si ça vous amuse, vous pouvez voir la catastrophe de tous ces Starlink, hein, ces satellites qui ne servent à pas grand-chose et qui... d'ailleurs, on n'en voit pas beaucoup en ce moment. Enfin, après, il faut trouver là, tout leur lancement tout pourri là. Voilà, alors là, vous pouvez en voir plein. Donc, magnitude 4, bon, ça va, ceux-là sont pas trop brillants. Mais vous voyez, vous en avez un, mais quasiment toutes les secondes, vous en avez qui passent et donc qui polluent le ciel. Et on ne peut plus voir les étoiles à cause de ça, donc c'est un peu une catastrophe. Mais bon, en tout cas, si vous avez un doute, vous pouvez repérer ici quel satellite vous avez vu passer. Vous pouvez me voir le Space Telescope. Il y a même prévision quotidienne pour les satellites les plus brillants, si vous voulez voir autre chose que l'ISS. Alors je vous conseille de mettre Minimum Brightness 3, parce que 4 c'est quand même plus facilement à voir. On exclut les Starlink parce qu'ils nous embêtent. On fait l'evening, on peut se mettre donc le 4 novembre. Update, et voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Et on nous dit donc le soir du 4 novembre, on a tous ces satellites qu'on peut voir un petit peu, qui ne sont pas hyper brillants, mais bon, qu'on peut voir, par exemple, je ne sais pas si on peut voir, il y a plein de satellites russes, là, tous les Cosmos, c'est les satellites russes, donc je ne sais pas, on peut voir, on va prendre un brillant, ils sont pas 1,8, c'est peut-être brillant, tiens, 1, ouais, ça, je ne sais pas ce que c'est, bon, donc on clique,
pareil, et ça nous dit où ça passe et comment. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Et donc, bah, amusez-vous bien avec ces éphémérides. Hein, c'est, ce ne sont pas des éphémérides d'objets naturels, mais éphémérides de satellites artificiels. Et vous verrez plein de belles choses. Je regarde où j'en suis. Voilà. Bonnes observations. Pour la cinquième partie, filet d'étoiles, je vais vous faire une petite démonstration, alors rapide, parce que je ne voulais pas faire très long aujourd'hui, mais comment faire un filet d'étoiles. Alors déjà, je peux vous conseiller des ressources en ligne. Ressources en ligne. Voilà, donc je vais quand même préparer ça. Oui, donc vous pourrez repérer la météo avant d'aller observer le ciel quand même, hein, ça dépanne. Alors, pour les filets d'étoiles, voici une belle image de filet d'étoiles. Hein. Il faut juste laisser un appareil photo. Alors, toute la nuit, ou en tout cas une partie de la nuit. Alors, on peut même faire ça de l'intérieur, hein, derrière une vitre. Hein. Il faut juste pas qu'il y ait de lumière dans la pièce, parce que sinon, ça reflète sur la fenêtre, et puis on voit rien. Donc, il faut que ça soit dans l'obscurité. Donc, soit vous laissez votre appareil dehors, si vous avez un jardin ou un endroit sûr, soit derrière une fenêtre, dans une pièce très sombre. Donc il faut un trépied, enfin en tout cas il faut que l'appareil soit vraiment stable, ça peut être un sac de sable, enfin il y a plusieurs dispositifs qui existent. Et puis vous laissez en pause longue, typiquement 10 secondes de pause longue, donc à peu près tous les appareils un peu costauds ont ça. Et puis vous en faites une série, enfin une série si possible sur toute la nuit. Donc en général il faut une batterie un peu costaud, ou brancher votre appareil. Et donc, typiquement, vous prenez une centaine ou deux centaines d'images, et puis vous obtenez ces belles images. Alors après, là, c'est des photos de pro, donc ils vont dans des endroits pas possibles, voilà, ils font des supers images, voilà, il est trait, etc. Mais voilà, c'est ça, l'idée d'un filet d'étoiles, ça peut être très artistique. Donc il y a ce site, hein, qui s'appelle DIYphotography.net, Il y a Dave Morrow qui fait aussi des belles photos. Donc il dit comment je passe d'une photo simple à gauche à une photo de Star Trail, enfin de filet d'étoiles à droite. Alors il était dans un superbe endroit, etc. De chez vous, si vous avez cette vue, tant mieux. Mais alors il a mis des... Non, il n'a pas mis de photos. Bon, bref. Enfin, il y a son guide qui est téléchargeable gratuitement. Et puis, il y a d'autres... D'autres sites, hein, voilà, de Photopills, voilà, qui est un petit guide que vous pouvez télécharger aussi. Donc voilà, il s'est mis devant un super bâtiment. Alors là, c'est des photos super, super nickel. Hein. Peut-être que vos premières ne seront pas comme ça, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de s'amuser. Voilà, vous pouvez faire ça en ville. Hein, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, si vous avez un lac, c'est mieux. Enfin, et c'est intéressant parce qu'on peut voir la couleur des étoiles, c'est ça qui est vraiment rigolo. Et la couleur nous renseigne sur la température et donc sur l'état d'évolution et éventuellement la masse des étoiles. Et en plus c'est très joli à faire. Donc là c'est des photos que même moi, enfin je fais pas, hein, ça, là c'est vraiment des photographes professionnels, voilà, ils passent leur temps à ça, ils sont très bons. Mais on peut néanmoins s'amuser avec relativement peu de moyens. Donc je vais vous montrer ça, ouais, celle en spirale là, voilà. c'est carrément super compliqué, pareil en changeant la mise au point, voilà. Et puis voilà, ils ont mis des vidéos, enfin vous pouvez trouver plein de choses. Mais et puis il y a des logiciels tout à fait gratuits qui marchent très très bien, et on peut le faire sinon en Python soi-même aussi, quand vous avez toutes les images, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc pour le filet d'étoiles, il faut donc un appareil photo avec un trépied, on l'a vu. Il faut faire des pauses longues, il faut faire des tests surtout avant, parce que ça dépend de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes en milieu urbain ou dans un ciel très noir, très pur à la campagne, vous n'aurez pas le même niveau de bruit de fond, de la lumière parasite. Et donc, la sensibilité de l'appareil, hein, qui se mesure en termes d'ISO, ne sera pas la même. La pause, pareil, ne sera pas forcément la même. Moi, ce que je conseille en général, c'est de faire une pause de 10 secondes à 3 ou 4000 ISO, ou mode nuit, hein, selon votre appareil. Vous essayez, vous en faites quelques-unes, et surtout, vous les analysez bien. Vous ne les analysez pas juste derrière l'écran, parce que là, vous ne verrez pas grand-chose. Il faut vraiment les analyser. Alors, comme celle-ci, que j'ai faite lors du précédent confinement, enfin non, c'était au mois de juin, donc le confinement était fini. Donc c'est en milieu plutôt urbain,
Au mois de juin, on voit des côtés de maisons, des arbres, et puis on voit des petits points qui sont, bah, qui sont bien des étoiles, hein. Alors là, j'ai mis une basse résolution, mais je peux essayer de zoomer, voir ce que ça donne. Mais on voit qu'il y a que tout ça, c'est bien des étoiles partout. Donc là, ça devait être 10 secondes de pause. Enfin, je me souviens plus trop. Faudrait que je retrouve. On voit que c'est plus clair vers l'horizon, parce que là, le soleil commence à se lever. Enfin, pas encore, mais donc l'aube arrive. J'ai pris ça plutôt au grand angle. Hein. Vous pouvez choisir de prendre un objectif plutôt au grand angle, je vous conseille. Voilà, prenez ce que vous avez et puis faites des tests, hein, c'est ça, le vrai conseil c'est ça, prenez ce que vous avez, faites des tests vous pourrez voir ensuite. Donc là j'ai plus de 130 images, j'en ai même plus, je crois que j'en ai 200, quelque chose comme ça, prises donc toutes les 10 secondes avec une petite pause entre chaque pause de quelques 5 secondes pour le temps, pour l'appareil photo de se refroidir un petit peu et puis de pouvoir enregistrer les fichiers. Alors l'idée, quand vous avez une série comme ça de photos, c'est qu'entre chaque photo, le ciel tourne, parce que vous êtes fixe par rapport à la Terre, et donc les étoiles vont faire des mouvements. Et donc il y a des logiciels qui permettent d'assembler ces photos et de vous faire un filet d'étoiles. Alors ces logiciels s'appellent notamment StarStax, je vous mettrai le lien, STAR STAX, qui est je crois multiplateforme et gratuit. Il y en a d'autres, hein, vous trouverez ça sur le site web. Ce que je peux vous proposer, c'est de faire ça en Python directement. Python c'est gratuit, c'est ce qu'on utilise en science, en recherche, hein, et aussi au lycée, évidemment à l'université. Et donc je fais un petit programme, il faut juste importer la librairie, enfin utiliser la librairie PIL, qui veut dire je sais plus quoi, image processing, vous mettez le chemin où il y a vos données, vous lisez une image, voilà, vous dites juste moi je veux toutes les images de mon répertoire, en tout cas celle qui s'appelle comme ça, et vous pouvez montrer la première image. Ensuite vous pouvez séparer les images, c'est pas nécessaire, hein, mais dans chaque canal rouge, vert, bleu, on peut la montrer, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Là je crée un tableau pour toutes les images, je fais une boucle sur tous les fichiers et puis j'extrais les images, je les accumule. Alors en fait on les accumule pas, on prend le maximum de chaque image, comme ça les étoiles vont bien faire un filet, et puis j'imprime le compteur de temps en temps pour voir où on en est, et puis après j'essaie de sauver ça, etc. Donc on va voir ce que ça donne en direct dans ma fenêtre Python, parce qu'évidemment les vrais utilisent des fenêtres terminales. Voilà ce que ça marche. Donc je lance ePython, je lance mon petit programme qui va mettre un certain temps. Oh, d'ailleurs ça prend un certain temps aussi, c'est parce qu'en fait pendant l'enregistrement de la scène ça prend toutes les ressources de l'ordinateur, donc ePython qui met d'habitude un quart de seconde à se lancer, là tout de suite il est un peu saturé. Donc en fait oui, je crois que la démonstration elle va pouvoir se faire, parce que ça met 3 heures à se lancer, donc je vais pas vous infliger ça. En plus il y a des trucs qui sont mal installés. Enfin je vous lance juste le script et puis je vous montrerai les résultats dans des images juste après. Enfin j'aurais quand même lancé le script, bah tant pis, hein, ça va prendre du temps, donc ne pas faire de la vidéo et du Python en même temps. Ouais, bon, il va prendre 3 heures, mais c'est pas grave. Donc, on verra une de ces images s'afficher, et puis aussi l'image noir et blanc, soit en rouge, soit en vert, soit en bleu, et puis vous verrez quel genre de choses on peut obtenir. Alors, je vous retrouve tout de suite avec les résultats. Donc, une fois que le programme a tourné, voilà, séparément, ouais, ou que vous avez utilisé un logiciel d'addition comme StarStax, vous obtenez donc à partir des images individuelles comme celle-ci, hein, donc voilà, avec des étoiles et puis un petit paysage,
quand vous accumulez des centaines d'images, vous obtenez ça. Donc c'est très joli. Vous pouvez après changer un tout petit peu la balance des blancs pour respecter que le vert soit bien vert, le bleu soit bien bleu. Enfin voilà, donc il y a un petit échange de contraste, de luminosité et de brillance. Vous voyez qu'il y a des petits satellites qui passent un petit peu en haut, au milieu en haut. Et puis donc c'est une très belle image, voilà, dont je suis assez content. On peut remarquer au moins deux choses sur cette image. La première, à gauche, c'est la flèche à gauche. On voit que la trajectoire des étoiles n'est pas la même. Il y a des trajectoires qui sont quasiment des points à gauche, comme la flèche rouge, et d'autres trajectoires à droite, un peu comme la flèche jaune, qui sont très 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 grandes dans le ciel. Ben, ça dépend de la déclinaison, c'est le terme technique, mais enfin de l'endroit où se trouve l'étoile par rapport à l'équateur céleste ou l'étoile polaire. Donc en fait, la flèche rouge, au bout, se trouve l'étoile polaire. Et on voit que l'étoile polaire, elle fait un petit anneau. En fait, elle tourne quand même. C'est parce que l'étoile polaire est très proche du pôle de rotation de la Terre, enfin de l'axe de rotation de la Terre. Pôle nord céleste, ça s'appelle. Mais n'est pas confondu. Donc l'étoile polaire, elle-même, tourne un tout petit peu. Mais enfin, c'est tellement faible qu'on ne le voit quasiment pas. Enfin, sur la photo, on voit que ça fait un petit arc. Donc ces photos sont très spectaculaires, en tout cas esthétiques, parce qu'on voit que le ciel tourne autour de l'étoile polaire, enfin du pôle nord céleste, et ça peut faire des effets intéressants. À droite de la flèche jaune, donc tout à droite, on voit qu'en fait les étoiles font des points, parce que les pauses que j'ai faites, c'est 30 secondes, enfin, ou 10 secondes, 10 secondes de trou, enfin sans rien faire, 10 secondes de pause, 10 secondes de trou. Donc en fait, c'est un chapelet d'étoiles. Quand on les combine, on a l'impression que c'est un filet continu, mais quand on regarde de près, comme à droite avec la flèche jaune, on voit que ce sont une succession d'images en fait qui ont été additionnées, dont on a pris le maximum. Donc c'est un petit peu de la triche, mais en fait il n'y a pas de triche, hein, c'est que notre œil voit un filet, alors qu'en fait la manière dont c'était pris, c'est une succession de clichés. Alors on peut optimiser en faisant des pauses longues et des temps intermédiaires courts, voire nuls. Hein, voilà. Mais amusez-vous avec ça, c'est relativement simple, il faut faire des tests. Hein. Les images n'arrivent jamais comme ça du premier coup, donc il vous faudra 2-3 coups. Voilà, n'y passez pas la nuit, faites des pauses d'une heure. Ne cherchez pas à zoomer, parce que plus on zoome, plus on perd de la lumière. Donc vous verrez que 3 étoiles et demie, donc ça va pas le faire. Donc cherchez vraiment la lumière. Donc le plus grand angle que vous ayez, testez les poses, et puis après vous verrez le temps d'exposition qui conviendra ou pas. Je continue avec la traditionnelle séquence des conseils de lecture. Je ne vais pas faire très long aujourd'hui. Attendez, je vais vous mettre l'autre fenêtre. Voilà, donc je vous conseille le livre de quelqu'un qui est formidable, qui s'appelle Tania Louis, La folle histoire des virus, qui vient de sortir, que je vous conseille. Elle est spécialiste, hein, voilà, elle est docteur en virologie, donc même si c'est une vulgarisatrice, youtubeuse, voilà, c'est une scientifique. Donc l'un n'empêche pas l'autre, il y en a beaucoup comme ça, et tant mieux. Et donc ça se lit très bien, et voilà, et d'ailleurs merci Tania pour me l'avoir fait parvenir. Je ne peux que le recommander en cette période, voilà, pour avoir vraiment des infos précises. Sur ces êtres, ces objets qui sont absolument fascinants. Il y a un autre livre absolument incontournable de mon cher collègue Julien Bourov de l'Université Paris-Saclay, La quantique autrement. Merci Julien aussi de me l'avoir fait parvenir. Et alors, ce qui est vraiment intéressant avec Julien, c'est que d'abord, il explique super bien ce sujet passionnant. Et surtout, il a une approche avec des designers et des graphistes pour expliquer de manière imagée et agréable. J'essaie de vous trouver une page. Intrication quantique, et pas oui, avec l'histoire des observatoires. Pour expliquer de manière simple et imagée. Voilà ce qui se passe. Donc, il y a plein de petits schémas sympas. Vraiment des choses. Voilà, pourquoi expliquer tout ce qui est fonction d'onde, j'imagine, c'est ça, voilà, ou prison à électrons, donc voilà comment la physique quantique fonctionne de manière sans équation, voilà, sauf celle-là, voilà, l'équation de Schrödinger. Et donc à mettre entre toutes les mains, parce que voilà, garantie sans équation, parce qu'il arrive à vous faire sentir ces phénomènes subatomiques assez complexes.
rien à voir avec la science, mais en fait si, c'est de la science économique. Notre Esther Duflo, nationale prix Nobel avec son mari d'économie, enfin voilà, de l'année dernière, c'est l'équivalent du prix Nobel. Et donc je vous le conseille fortement, économie utile pourtant difficile. En fait, je ne sais pas si je vous devrais vous le conseiller, parce que depuis que j'ai lu, je suis effaré des discours que j'entends dans les médias, parce que voilà, vous avez tout sur la politique, notamment d'immigration, d'impôts, de soutien social, etc. Ils ont des preuves scientifiques, des études économiques vraiment, vraiment bien faites. Et en gros, tout ce qu'on entend, voilà, en tout cas chez certains hommes politiques, vous vous rendez compte que c'est absolument pipeau, parce que là, c'est démontré. Alors que ce que disent certains hommes politiques, c'est vraiment du dogmatisme degré zéro. Donc en fait, si vous voulez vivre heureux, ne lisez pas ce livre. Mais si vous voulez vivre en ayant connaissance de ce qui se passe vraiment dans pas mal de phénomènes, surtout si vous n'êtes pas économiste, lisez ce livre, voilà, vous serez transformé. Et puis, alors je suis obligé de finir par ce petit livre merveilleux, dont j'ai l'honneur d'être l'auteur. Mon éditeur a eu la gentillesse de le rééditer, donc Le côté obscur de l'univers. Et donc, ça se lit très bien, c'est pas cher, et ça vous raconte l'histoire du satellite Planck et de voilà, comment ça se passe vu de l'intérieur. Ah oui, puis alors, le journal des étudiants. Des étudiants et des élèves de l'Université Paris-Saclay qui s'appelle Hiatus, que je vous conseille, qui est téléchargeable en PDF sur leur page web. Hein, vous tapez Hiatus, Université Paris-Saclay et Centrale Supélec, c'est piloté par les élèves de Centrale Supélec. Et ça parle d'art, de culture, c'est super bien fait. Et ça vous évade un petit peu. Et voilà, il y a quelques numéros. Là, c'est un numéro sur les métamorphoses. Et d'ailleurs, je remercie les étudiants. Et ma présidente d'université de nous avoir permis d'avoir ce magazine. Et puis voilà, l'université soutient évidemment ce genre de magazine. Ben voilà, les conseils de lecture, c'est fini. Portez-vous bien. On va passer aux questions et aux réponses dans le chat dans quelques instants. La semaine prochaine, nous parlerons de je ne sais pas quel sujet, donc voilà, TBD, donc à choisir. Si vous avez des suggestions, allez-y. Si je peux le préparer rapidement, c'est encore mieux. Voilà, donc bonne continuation pour cette conférence confinée que l'on retrouvera mercredi prochain à 15h sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien, faites plein de belles choses, cultivez-vous si vous pouvez, et protégez-vous et les autres, bien entendu, et on sortira de toute cette période. Voilà, au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine, ciao, ciao. Lift off, the final lift off of